Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Crusader Kings 2 avec MacRentor. Salut tout le monde. Et je reviens de mes conquêtes que j'ai juste terminé là. Putain, l'autre il va réussir à gagner contre le chinois quoi. Dès qu'il a fini, je déclare la guerre à l'autre Pécor, j'ai placé mes troupes pour choper Tom ou Kate ou un truc comme ça. Et après, ouais, il faut qu'on rush vers Tom, Kate pour après déclarer la guerre à Anui. Anui, Tara. En fait, il nous faut Tom, Kate, puis Hob. Et moi, je suis des gosses, je suis un fou. Un conseiller, j'ai une place de lit. Tiens, c'est pour toi, poteau. Merci, mon ami. J'ai oublié de regarder tes caracs. T'as quoi comme caracs? Est-ce que t'as des caracs utiles, toi? Non, t'as des caracs de merde. Donc, c'est bien conseiller, c'est très bien pour toi. C'est ça, je suis incompétente. Voilà. On donne au premier sang. Ah, je peux pas le dueler, lui. Non, putain, je suis en guerre. Mais putain, grouille-toi, saleté de Kerrigan de merde, là. Oh là là. Putain. Alors, je dirais le divin, parce que entre un mec à 0 et un mec à 4... Le quoi t'as dit, tu vas virer? C'est le... Donc, on sait, le religieux, là, le chaman. Enfin, le devin, là. Parce qu'un mec à 0, je suis désolé, je garde pas ça. Ouais, ça. J'ai envie de faire un mec qui a 4. Ah bah tiens, elle est morte, ma soeur. Ma demi-soeur. Donc c'est mon fils qui récupère le titre. Et toi, on va pas commencer à me buter mon fils. Ah, promis. Je suis en train de construire des bâtiments dans ma capitale. J'ai pris l'intérêt, tu sais, économique, qui fait que des fois, t'as un event qui te file son pièce d'or. T'assures ah, que... Ah ouais. Gagner du pognon, très vite bâtir les trucs. Putain, et comme l'autre connard là, il veut pas faire la paix, je peux pas me mettre en mode piège et je peux pas les défoncer quoi. Ouais. Je vais d'abord faire la guerre et j'irai payer en temps de paix. Ouais. Il y a combien 500 hommes. Et là, ici. Attrition, alors j'égage, parce qu'il y a trop d'attrition. Ouais, ouais. Putain. Je vais mettre Yinsei. Putain, deux. Le dragon recule. C'est bon, la guerre est terminée. Ok, allez, toi. Kunex, déclare. Non, affronter en duel d'abord, en premier lieu. Pourquoi je peux pas le dueler? Ah bah tiens, il y a un duel. Hop. Ah bah l'autre, il va encore se faire défoncer, quoi. Ce que je vais faire, lui, déclarer la... Pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre? Mais je suis encore... Mais, oh non, mais c'est lui, pourquoi j'ai fait comme toi, j'ai cliqué oui alors je voulais pas. Donc j'ai soutenu l'autre connard qui se fait attaquer pour le défendre. Alors genre, ça aurait fracturé le pays. Attends, est-ce que tu peux déclarer la guerre à peut-être Kate, Tom ou Kuznets ou un truc comme ça? Ça veut dire Kuznets, attends. Peut-être pas Kuznets, mais l'autre à côté aux rebelles. Aux rebelles? Alors ouais, je peux déclarer la... Non. Tu peux déclarer la guerre à personne? Non. Alors attends, lui, je peux déclarer la guerre, mon suzerain, je peux déclarer la guerre. Non, un des deux. Là, t'as une rébellion, t'as Kate et Kuznets. Tu peux déclarer la guerre ni à l'un ni à l'autre? Non. Je suis pas qui n'est pas en guerre. Putain, j'ai... Oh là là, j'ai mal cliqué, je suis un gland. Putain, le con, j'aurais pu me faire les deux pays pour le prix d'un, quoi. Quant aux Ouïghours, pourquoi je peux déclarer la guerre à l'autre con de Ouïghours? Parce que j'ai pas qu'il vive valide. Faut que tu sois frontalier. Je suis frontalier. Par Western Saiyan. Ah oh là là, putain, je suis trop con. Tiens, toi maintenant. Alors, lui, j'ai bien. Tu es en duel. Tu vois, en dessous d'Abakan, il y a Western Saiyan. Je peux pas déclarer la guerre parce que le mec n'est pas indépendant. Et est-ce que je peux taper son suzerain? Non. Parce que j'ai pas de casse-bille valide. C'est complètement débile. Je suis victorieux, fais venir des servantes, toi. Alors lui, ce qui est trop fort, c'est que l'autre Pécor, je lui ai fait un duel et il a obtenu, il a refusé donc, il est lâche. Allez, putain d'armée de mes couilles. Non, ça, toi. Comment ça, je suis... Putain, mais je suis en faillite, mais t'aurais pas du fric à me prêter. Combien il faut? 15, c'est suffisant. Ok. Putain, je suis en faillite. Sérieux. Merci, poteau. Hop.
Mais putain de merde, déclarer la guerre. Rivalité, non. Conquête de Tom, on a dit. Envoyer. Toi, je t'appelle pas en allié, je le défonce en solo, comme ça tu peux lui déclarer la guerre assez vite derrière. Je te laisserai Kuznetsk, ou peut-être Kate, ou faudra qu'on voit ce que tu voudras. Ah, bataille de Kuznetsk. Ah, j'ai musculature comme trait. Ok. Je peux éviter la guerre parce que j'ai une trêve avec ce couillon. Encore 7 ans. Hop. Allez, là maintenant. En pillage. Et je vais piller autour parce que j'ai besoin de thunes. Qu'est-ce que je voulais voir, moi? Oui, est-ce que j'ai fait mon duel au premier sang? Oui, je l'ai fait. Il me faut des rivaux maintenant. Mettre lui en rival. Si je pouvais mettre. Qui je pourrais mettre en rival? Intrigue. C'est dingue. J'ai pas qu'il se bénit pour déclarer la guerre aux Ouïghours, alors je suis frontalier avec ce connard. Je comprends pas l'idée là. Merde, moi. Tu comprends, toi, quelque chose à ça? Et tu veux déclarer la guerre à qui? Tu vois, le Ouïghour, là. Oui, mais c'est normal, faut que tu déclares la guerre au roi. Parce que c'est. Lequel? Le Saiyan occidental? Ouais, voilà. Oui, tu peux pas, parce qu'il est pas indépendant, faut que tu déclares la guerre. Tu regardes le plus gros. Ouais, Okagan? Je peux pas déclarer la guerre non plus, je sais pas. Okagan Tengril, le machin, tu peux pas y déclarer la guerre? Ah bah ouais, non, parce que t'es un. Ouais, parce que t'es une petite frappe. Moi, je peux que. Le seul guerre que je peux lui faire, c'est libérer le tributaire. On peut faire que ça comme guerre. C'est naze. Je suis un putain de barbare, je veux pouvoir bousiller des gueules. Non, je voudrais pouvoir casser la gueule à qui je voudrais, merde. Tu peux pas. Est-ce que moi j'ai fini de piller là? Ouais, allez, on va piller ça là-bas. Mais c'est affreux, quoi. Je comprends pas, je suis à plus 0,6, comment je peux être déficitaire? Mais ça ira mieux dès qu'on va arriver dans les provinces riches. Ça va être gavage. Je vais le défoncer là-bas. Regarde quand tu peux lui déclarer la guerre. Tu peux lui déclarer la guerre quand, l'autre tocar, pour prendre quête? Dans 7 ans. Dans 7 ans. Oh, 7 ans, oh putain. C'est 10 ans les trèfles, je te rappelle. Oh putain, c'est quand même la dèche. Je le sais. On va prendre la province, voilà. Oh, maintenant, on pille. C'est pillé, il n'y a plus rien à piller. On va piller là-bas. Après, la prochaine que je prends, c'est quête directe pour aller faire homme et compagnie. Hein, vers voilà, pour aller vers Khatoum, Nazrim, qui sont deux royaumes différents. Ouais. Quête, c'est obligatoire. Dès que j'ai Narim, je prends une vers le sud. Ça, je passe Narim, ça pourra t'étendre rapidement. Ouais. Et après, dès qu'on aura de la population, on va pouvoir commencer à faire les invasions. Alors là, les invasions, c'est gavage. Les invasions, c'est. Vous allez, vous prenez. Dites. Je te fais une invasion de quête. Vous prenez quête, mais vous occupez quête. Et tout ce que vous occupez, vous le prenez dans l'offre de paix. C'est-à-dire que quand, en fait, on fait la partie Khan of Khan, on commence, je crois, ici. En fait, on se retrouve en guerre avec toute la Perse. Et en une guerre, vous chopez toute la Perse. Et après, j'ai fait des guerres où j'ai pris en une guerre, j'ai pris tout le Saint-Empire romain germanique, toute la France, toute l'Espagne. C'est gavage, quoi. Bon, après, on se prend des croisades sur le coin de la gueule, ça pique un petit peu. Bah, c'est juste de venir dans les terres pourries, comme ça qu'ils bouffent d'attrition, puis tu les snipes à la fin. Par contre, non, j'ai des conneries, en fait, on peut pas piller les provinces qui n'ont pas de. Qui sont pas, entre guillemets, des capitales. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis au sud, je suis à Ob. Ben, Ob, il y a théoriquement de la richesse, ça me rapporte rien. Bah, pourtant, moi, quand j'ai pillé les autres, bah, j'ai vu la petite barre de. Loot du comté qui se vidait. Là, tu cliques sur quête, bah t'as la barre de loot qui est vidée. Hein. Mais je sais, je viens de les piller, t'as pas remarqué que je les ai rasés aussi. J'ai pillé, j'ai rasé, j'ai tout niqué. Moi, j'allais piller les voisins. Hein. Mais en fait, faut rusher vers les provinces un peu plus riches. Mais ça, il faut rusher, faire une petite ligne pour aller avancer. Voilà. De manière à déclarer la guerre à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre, à l'un, à l'autre, et ainsi de suite. C'est ça. Ah oui, il y a ça aussi, que l'on a. Forme un pacte de sang. Forme un pacte de sang, qu'est-ce que ça fait déjà, un pacte de sang? Idée. Un pacte de sang, je crois que c'est qu'on peut pas se faire d'acte néfaste, on se soutient, patati, patata, il y a des bonus, je viens chez toi, je fais le café.
Ensuite, arrêtez Ah de putain, j'ai perdre le tribu. cancer. Putain, j'ai 20 ans, j'ai le cancer. Putain, paye t'es une merde. 72 en capacité de combat. Bon, ça le fait. Et lui, combien? 17. En duel. Explique-moi pourquoi moi j'ai pas le droit d'avoir 4 concubins, hein? Aïe. Je me suis laissé. Je sais pas, tu t'es gay. Juste parce que je suis une gonzesse, voilà. Ok, là j'ai bien pillé comme il faut. C'est de la balle. Je vais aller piller là-bas. But en marque. Putain, le mec il a moins 17 ou un truc comme ça, j'ai réussi à perdre en duel contre lui quoi. J'ai. Combien j'ai? J'ai. Bon là je suis blessé, j'ai 50. Le jour j'ai réussi quand même sur un duel, j'avais mon perso qui était en duel, il était borgne et unijambiste, j'ai réussi à le défendre. Mais j'avais 180 en capacité de duel. D'accord. En essayant de faire mon achievement là, tu sais, dont je te parlais. Ouais, je vais peut-être faire comme toi, par contre, t'as raison, je vais arrêter l'intérêt de guerre, quoique je perds 10 en capacité. Ouais, on s'en branle. Et je vais prendre. T'as pris lesquels, toi? Affaires ou souveraineté? Affaire. Ouais, Business. on va faire affaire parce qu'au début de partie, c'est vrai que. Ah, on a un peu des clodos, quoi. Là, j'ai 39 de thunes dans les caisses. Putain, je viens d'avoir un effet, un truc, il y a quoi? C'est un mec qui me vole. Comment que je te déteste? Pauvre. Ah, j'ai une cicatrice, ça le fait, ça. J'ai plus de blessure, mais j'ai une balafre. Du prestige et le sexe opposé me kiffe. T'es trop beau avec ta gueule arrachée. Moi, j'ai un casse à la tête. Je suis crédule. J'ai les traits luxure. Avarice, un cancer et je suis mort. Ouais! J'ai vu ça. Eh tiens, je t'offre un. Offre un siège. Voilà, voici. Putain, t'as des caracs de merde toi aussi. Ouais, ben j'y peux rien, c'est vraiment les aides pourries. Tu peux déclarer la guerre quand à l'autre tocard? Ah, maintenant en fait. Ah, deux secondes, deux secondes, deux Ok. secondes. Je l'affronte en duel. Il a pu fuir, donc vas-y, déclare-lui la guerre si Par tu contre, je veux. peux déclarer la guerre uniquement pour Kuznets, pas pour Kett. Attends, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. Deux secondes. Accorder un titre foncier. Vas-y, tu peux déclarer la guerre pour Kett. D'accord. Je Je prends juste l'ambition avoir un gosse. vais lui défoncer son armée avant que t'arrives. Super. Attends, j'ai un tome. Voilà. Conquête de quête, on a dit. Vas-y, c'est tout bon. Le conseil est pas content. J'ai rien à foutre du conseil. Je peux imaginer Regarde à quel pour. point. Attends, va te faire enculer toi, même pas je te soutiens. Attends, c'est toi qui as 1750 hommes? Ouais. Oh l'enculé! En même temps, je pourrais en avoir, mais j'ai pas de thune. Bon. Voilà, fin de la guerre. Et voilà. Trop dur la guerre. Je massacre ces petites troupes qui restent. Oh, lol. Putain, Donc, angoisse. ça veut dire que Khatoum déclarer la guerre, conquête de Khatoum, envoyé. Voilà, je vais le défoncer. Je t'invite pas dans ma guerre, hein, contre Khatoum, de manière à ce que tu puisses toi-même lui déclarer la guerre juste après. Khatoum, c'est lequel? Ah oui, c'est en dessous, voilà, je vois. Je vais faire Khatoum et ensuite je vais me faire Narim. Ah, tu veux dire, à déclarer la guerre? Oh, attends, Narim, c'est pas le même mec? Non, c'est un autre mec. Attends, je vais me faire Narim. Ouais, ça marche. Oui, parce que je Je vais crois que faire moi je Narim. peux déclarer. À partir du moment où toi t'es frontalier, je peux déclarer la guerre. C'est Parce que là, tu ça. vois, Du coup, Khatoum, je suis Narim. pas frontalier. Ça y est, on est parti en mode Ça y est, roule le c'est confesseur. parti. Victoire de Khatoum, bataille de Khatoum, ok. Allez, j'ai pris le premier. Oublie pas d'assiéger, de raider dès que tu peux. Mais non, attends, il y a quelque chose ou pas? Ah oui, faut chier quand même. Comme que j'ai de l'autre côté, Atara. Dommage.
Hop, et voilà. Voilà. Ben voilà. T'as fini? Ah, vas-y, fais la paix avec Non, lui. comme ça je peux faire la paix. Pourquoi tu peux faire la paix? Ah, bah pour la province. Ouais, parce qu'il y a un autre truc qui s'est passé, c'est déjà occupé par un autre connard. Ah, Voilà, c'est bon. vas-y. Mais voilà. Eh ben, ils se retrouvent en guerre! Tu viens de le finir, je déclare la guerre! Vas-y, Ah, déclare la guerre! j'ai trop de territoire là. Donc nomade. Oh ouais, faut que tu remontes, que tu m'en refiles, hein. Donc faut chauffer lequel? T'en fous, n'importe. Ça a aucune importance, les territoires chez les nomades. Attends, je vais finir ma guerre. 2 petites secondes, me le file pas tout de suite. Hop, c'est peut-être bon là. J'ai trop de domaines, j'ai trop de tétons dans mon domaine personnel, comment ça se Ah, fait ça? attends, attends, mets en pause. T'as trop de domaines dans ton territoire. C'est-à-dire, t'es. Est-ce que. Est-ce que. Ah, voilà, je sais. Tu vois ta province de Narim? Narim, Ouais. tu vois tribu de Narim? Ah ouais, en bas, ouais. Et ben ça, en fait, ça te fout la merde. Donc, ce que tu fais un clic droit dessus et tu fais pire. Parce que regarde, si tu regardes l'écran des religions, on est en Tengri. Et ce qui est pas en Tengri, c'est qu'en fait, il y a des tribus. Donc, ce qu'il faut faire pour. Tu fais un clic droit dessus et tu fais piller la propriété. Donc, si tu Mais pilles la paye quoi? propriété, ça détruit un bâtiment. Je peux Ça te pas, fait je suis gagner. indépendant. Ah merde. Bah attends, bouge pas, je vais le faire pour toi. Est-ce que moi je peux le détruire? Non. Refile-moi. Est-ce que tu peux me filer le territoire de Narim? Passe-moi. Attends, comment ça? Tu fais un clic droit sur moi, tu fais accorder un titre frontier, chefferie de Je peux Narim pas. et. Je peux pas donner un titre. Bah attends, bouge pas. Est-ce que moi je peux te le prendre? C'est quoi ça? Est-ce que je peux. L'onglet de portée, non, c'est pas ça. Révoquer un titre. Est-ce que je peux te piquer la chefferie de Narim? Chefferie de Narim. Non, tribu de Narim, peut-être. Ah non, ce sera. Ils seront pas contents. Merde. Tu peux pas faire un clic droit dessus. Tu peux pas faire. Pourquoi tu peux pas faire ça? Clan Je Iron. peux créer un nouveau vassal, mais. Non, non, mais. Et tu fais un clic droit sur tribu de Narim, il se passe rien? À chaque clic droit sur le tribunal, tout est en gris parce que je ne suis pas indépendant. Non, c'est con ça. Ouais. Et c'est quoi le message de l'erreur que t'as en fait? Ce sera simple. Le territoire, c'est. Toutes les options sont en gris, et puis il me dit. Non, non, mais Requirement. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. La question c'est, t'as un espèce de message d'erreur, je crois qu'il te dit un truc. Le message d'erreur qui est en haut, qui s'affiche en haut de l'écran, c'est ça? Ouais. Inefficient Land Management. Non, c'est marrant ça. Ouais, c'est vrai que ça fait un espèce de drapeau bleu, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est un peu le drapeau vertical, ouais. Putain, t'es pas indépendant, donc tu peux pas le raser. C'est Non. complètement con ça. Est-ce que tu peux à ce moment-là, tu fais rechercher et tu crées, tu sais, trouver personnage, par exemple, j'ai une connerie, tu vas trouver personnage dans ta cour, tu classes par intendance, tu fais un clic droit dessus, accorder un titre foncier. Pour attribuer la tribu de Narim à quelqu'un d'autre. Ouais, je peux attribuer quelqu'un. Bah, attribue-le à quelqu'un, comme ça t'auras plus mal lui, s'il se démerdera à gérer ça. Ok, je te file ça à un vassal. Ouais. Putain, c'est nul ça. En fait, sinon, ça veut dire qu'il faut que je prenne les territoires, que je les pille, et ensuite que je te les refourgue. Ouais, ça va Putain, être ça. chiant. Ah, ça va ralentir notre expansion, ça. Bon, c'est pas grave. Alors, faut que je me débrouille pour que tu me filmes ma réponse à un moment ou à un autre. Sinon, ouais, je peux te la filer, hein. Comme tu veux. Ouais, bah, je vais te la Au filer. pire, c'est quoi? On fera ça, on la réponse, on fera ça. Ouais, on On fera fera ça un peu plus plus tard. gros. Ouais, c'est Ouais. ça. Alors, Et attends, surtout, dans le prochain épisode. Ouais, exactement. Que ça te Donc, dit? format pacte de sang. Non, pas encore. 20 secondes avant que ça tienne. Ok, bah, Ok. déclare la guerre à Anuis si tu veux. Moi, j'ai déclaré la guerre à. Attends, est-ce que Anuis, c'est du Tengrist? Ouais, tu peux déclarer la guerre à Anuis sans problème, c'est du Tengrist. Et moi, je vais Ok, déclarer la d'accord, guerre ok. à Vasiguan. Déclare la guerre pour conquérir quoi? Homme, à nuit. N'importe, t'en branles. Du coup, je vais prendre conquête de homme. Voilà. Parce qu'à partir du moment où tu peux piller les territoires, c'est gavage. Ah ouais. Tu pilles les territoires, là je viens de me faire 25 de gold d'un coup.
Et là, il y a eu le tuning de fin d'épisode. Les mecs casse-couilles. Donc voilà, les gens. Sur ce, on s'arrête là. Bon, ouais, ça c'est bon. On s'arrête là. Voilà. Et on vous dit bye bye. À demain pour la suite de la série. Allez, ciao tout le monde. Au revoir, les gens.